La partie malette est bien, la mission ça. Les va partir que signer ma charte à Inno, ça que la partie malette est tombée, elle est bien. Bah, siège Nango, siège national est en Kinshasa, siège provincial car en Kinshasa, et l'autre monsieur Zézate. Romon, la secrétaire nationale, on a été à Bazou, elle est, Romon est à Katangate, Romon a été à Manier Maté, tout ça. Parce que là-bas, les partis n'existent pas. Les partis ne vivent qu'à Kinshasa. Et puis, sur le parti, on est à Kinshasa. Ils ont parti, il y a papa, maman, Banan Kassi, et madame Nabanoko. Vraiment, c'est vraiment importuné toute une nation. Vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba signer. Nous avons vu Vital Kabere signer. J'ai vu Mbosso signer. J'ai vu Bati signer. J'ai vu Samuel Konde signer. Lui-même, le conseil. J'ai vu lui-même Mbata signer. J'ai vu tous les ministres qui sont au gouvernement. Adel Kaïna signer. Est-ce que Zate pour nous rebondir sa bino pour nous relaxer? Et l'autre dit rebondir sa bino. Il y a pas dans l'axe qui basa sous des oppositions. Non, mais et l'autre dit rebondir sa bino. Et l'autre si kabazo y a dans côté. Au contraire, bazo sa obiso to sa bazo sa on a ninga mabé. To sa les FCC. Alobi c'est quoi? Dans quel pays vous avez vu tout d'un gouvernement? Bah quand tu vas on a quatre nini, il y a plateforme politique. Aujourd'hui. Qu'est-ce que lui, en tant que professeur, a mis le croisé? Thank you.
de l'homme congolais. Le projet de centre congolais. Et donc, il est tout cela fait. Les gens pensaient que une fois au pouvoir, une fois IDPS au pouvoir, va pessier, va poser aux arômes qu'a permis le chef de l'État. Les gens pensaient que il fera mieux que le PPRD, à remettre ma stratégie à Sika que le PPRD. Alors qu'en réalité, il ne faut qu'emboîter ce que Joseph Kabila avait fait. Et puis moi, je sais dans ma vie. Mais oh yo tani comme moi, non. Je doute fort que la professeur. Oh. Oui. Pourquoi on a douté? Et l'obélinaï. Maya salaka. Et la question à la professeur. Tant que babetaka, papa qui moi donne, tu le bac à non. Totalement à ma moi. Babette qui s'en va se mettre le binon. Mais allez n'a pas tout le temps basé en opposition. Un vieux papa, il y a Ajnaï. Les lois comme un nom, tout ça va être nos violences et tout ça. Nous condamnons tout ce qui est arrivé à Nini. Non, Christian Bossemi. Christian Bossemi est un officiel. Il y a l'État congolais. Comme Kengo Adono à l'époque. Comme Mende, comme Cheo Kitundu. Au Mouni Awa, il y a eu un nombre de gens qui ont été juillet. À Kani. Christian Bossemi. Ah, mais ça n'est pas la bino. Alors, les Massa, vous qui Massa. Oui. Ah, Christian Bossemi. En plein lumbelumé na moitié côté. Attendez, moi Congo. Donc, vous êtes sérieux de ce que vous êtes en train de dire. Après d'avoir reçu un message à Yitoko Sali, mais au moins tu tiens à rappeler. Je tiens à rappeler parce que l'histoire est têtue. Ma belle Bango, Bangonde Inyo Sakré na IDPS à l'époque va soutenir le mouvement va combattant. Bangonde va s'accompagner financer mouvement va combattant. Bangonde va latissa va ngana za la photo na moni mandi kolanga ba odombo na ba combattant mususu à l'époque balati ba tenue militaire pemi na nene yete tiseke bangonde ba encourager ka ba finance ka mouvement ba combattant ngana za so vérité ba combattant ba ebele ba zango zela ngi ndenge Félix Tshisekedi da combien wa ba o ba sala ba ba sécurité ba sportif ba zo bango ba ko tsamo ta ba service de sécurité awa a comme ça on ta ba garde rapproché a sala route ils sont dessus. Ma Corée est le binini. Population Azali a besoin de voir. Ma Corée est le binini. Parce que oh, bah, c'est du mensonge. Diplomatie, je sens déjà. Diplomatie, je sens ton bossa dans l'amour. Parce que aujourd'hui, le Congo est humilié. Nous sommes humiliés à la face du monde. Nous sommes humiliés l'élan par ces gens que, monsieur, tu sais, qui nous ont amenés au Abengani partenaire. Si nous étions sérieux, les Congolais, partout où ils sont en ce moment, ils devaient s'élever. Mais curieusement, les Congolais sont tenus, force on est comme dans mon abisson. Mais ils sont non. Ils sont tenus pour nous mandater. Mais tenus pour nous accomplir ma mission politique et diplomatique. Et pour rétablir Kimia. Mais ils sont tenus pour nous mandater. Comment pour qu'on ait un bundeli à Makassi?
Comment vous pouvez avoir une arme lourde, sachant que mission voyez là qui n'a pas besoin de voyez à Kundate. Lors de la passation civilisée, nous n'avions aucun territoire national parti à territoire de mission nationale. N'a pas beaucoup de rebelles. Les lots 4 ans après. Une grande partie, il y a beaucoup d'ambition à l'Est, il y a beaucoup d'ambition à l'Est. A signé l'accord à l'AIRC, à l'Élimiso à Sud-Soudanais, à l'Élimiso à Kenya, à l'Élimiso à Burundi, à l'Élimiso à Rwanda. Bon, les lots, les médias internationaux, ils disent que les négociations pour les Saléma entre le gouvernement et les rebelles, le gouvernement a boui. Mais curieusement, 4 jours après ou 5 jours après, Tomoni M23 a comme qu'on s'est retiré dans la zone occupée. Tout malade 23 à se retirer nengeni. À se retirer nengeni. L'armée qui est censée prendre possession à Bissika au M23 se retirer est l'armée nationale. C'est-à-dire, bah, FRDC. M23 s'est retiré, mais curieusement, en lieu et place, FRDC est récupéré, Mabele dans le territoire où ils ont occupé M23, c'est l'armée ougandaise. Oui, donc, sur base de quel accord? Ma mission TV, le miroir du monde. Plus de 170 000 abonnés, ma mission télévision, le miroir du monde, ce n'est pas facile. C'est parce que de la bandaille, il y a un peu de temps, toujours mon salaire qui est au coup. Pour un format cabineau, toujours à la qualité, à la I. Si vous voulez aller loin, il y a quoi apparaître dans la télévision, la télévision, la télévision, la télévision, la télévision, la Congo. Avec la cabineau, toujours ma information, tu peux amener la cabineau, ban et Congo, tout cela, en Bretagne, République démocratique du Congo. N'y a pas de temps, il y a dans ma mission télévision qui est à part Congo. Vous allez dans mon cas, monsieur, pour le Bénaté, Maramba, France, Belgique, Italie, et Talégalité, parce que mon cas, on a des alliés, République démocratique du Congo. Kassim Kouvalelo, il y a un bel et mon corps. Il y a un secrétaire national, la charge. Il y a communication, il y a Jean-Serge Thibin, mais ça, c'est dans ma mission télévision, à travers, il y a toujours des révélations, il y a toujours la matière. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont signé des papiers, des stylos pour que les gens ne soient pas notés. Tout au long de l'émission, nous allons parler par rapport à la fête il y a 21 ans. Il y a existence, il y a PPRD. Nous allons parler aussi par rapport à Moubembo Aouti, Namama Waro, et au Mama Olive Lembe, Wazali Bongo, Molongani, à ex-président Joseph Kabila Kabangi, ou Baouté, pour passer vraiment moi de la femme Moubimba, à côté à Est, et au côté à Katanga, pour bien taper le solo. Et puis pourquoi pas de parler aussi d'un dossier à gouvernement Samba Lukonde D, Oyo, Ezoaki Bango, Namoubembo, Moya, au Soleil, ils avaient quitté, mais le coup, il y a toujours Yambaya, à tout au Soleil. Oui, puis nous allons parler aussi par rapport. Il y a tout ce qui se passe, il y a Châtre, il y a Union Sacrée, l'actualité, tout Oyo et Zareki na semaine Oyo à travers notre invité. Déjà, Mbote na mon amboka, Jean-Serge Thibin. Mbote na yo. Mbote mon amboka, Mbote na balandinio sur ma mission TV, Mbote na ba inyo sur ma salle rabiso confiance, ba y babé garabiso, ce qui est toujours la disponibilité, ba tout na pon anime toujours les kate. Nous sommes acteurs politiques, ce qui est vrai. Tout le monde a été en train de se faire pour nous information, mais aussi actualité politique dans le Mais au-delà de ça, nous avons un travail administratif que nous faisons au niveau du parti. Nous avons un travail à itinérance, tout ça là-bas, sur toute l'étendue du territoire national. Pabaté, PPRD, c'est un parti national. Toi, tu es un parti malette, tu es un secrétaire national, Azahara, tu es ça. Autour du monde, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Siège provincial, car on a dit ça. Et là, on a dit ça. On a secrétaire national, on a dit ça. 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 Parce que là-bas, les partis n'existent pas. Le parti ne vit qu'à Kinshasa. Et puis sur côté les partis, on a à Kinshasa. Ils ont parti, il y a papa, maman, Banan Kassi, et madame Nabanoko. Papa, y a père de famille, mon président national, autorité morale à parti. Maman, secrétaire général, oh. Moi, Naliboso. Mais oui, ma partie, c'est bon. Moi, Naliboso, président général. Moi, Naliboso, secrétaire général. Oh. To, secrétaire général adjoint.
Et puis, nous avons un conseiller et tout ça, ma secrétaire dans ce moment. Ma partie malette. Boni mo bembo na mama waroyo pour te passer toute mo bembo leki malamu et je tiens à féliciter et à remercier maman Olive Lembe Kabila mama waro na ndenge a mesana kozalana ba mama asala ki mo bembo monaki na Goma bomonie na Sud Kivu bomonie bisika ebele akena ko kabola moi sourire aux alarangon moi moté ma malamu aux alarangon et pas ba mama na kada moni la femme et atei ba ngoupe ndenge nini il faut pas se prendre en charge à travers ma coopérative à travers ba bloke belé à travers entrepreneuriat atei ba ngoupe ndenge nini et basi ba koiko sanga na pola rotombo la mboka pambaté na tanga ka bazo ba basi ba tonga mboka te wale za ba discours ya kala basi pe ba tonga mboka les noms sont moni basi ya makasi basi ya lokumu neto ya mama Olive parce que lelo elingo la kisake basi ya makasi ya bwanya o bakoko tonga mboka bazali soko moni basi ya tina ya motuya bazoko sala ba action ya malamu neto mama Olive il faut vous féliciter bango pour encourager bango c'est na cadre wana nde mama Olive abengi sakibi so to accompagner on a pour clôturer mois de la femme na Katanga. Ça s'est très bien passé. Ma mission TV a ma image, je ne fais pas beaucoup de commentaires. C'était merveilleux. Mais il y a une femme qui va vraiment c'est Ezali par rapport à geste et Joseph Kabila. Pendant que avant d'y a silence, il ne dit pas et tout. Mais il y a une solution pour financer, pour appuyer le projet, pour aller dans l'entrepreneuriat, papa maman. Qui a vu le père a vu aussi la maman. Parce qu'il est mais il a battu. C'est lui qui a vu. C'est lui qui a vu maman. A aussi vu le père. Qui est Joseph Kabila. Nalubakamo, maman Olivier, mon père Lubakamo. Être une femme d'un homme comme Joseph Kabila, aller poser des actions de grande envergure. Il y a pour ça Lisa, ma compatriote, mon souci de moi. Ma action, on a au coquille pour ça la rencontre en autorisation. Balina pour action est réussi. Il faut la bénédiction, il faut l'accompagnement. Il y a mon balina. C'est qu'il y a Ophélie, n'a pas moins d'accompagnement. Tout ce que maman Olive fait, c'est avec la bénédiction de son mari. Ma image est là qui est en direct. Mais ma maman va au Senga, va au Yembela, Joseph Kabila. Va au Senga, Joseph Kabila, Zoom. Mais ma maman va l'éli, pas si elle est qui. Papa Zarola, n'a pas. Tu recommandes. N'a pas de maman. Joseph Kabila, tini message pour maman Aro. Et puis ça va en maille, n'a pas de maman. Comme contribution pour Bacha, micro finance, micro crédit, la maman fonctionne, Mingi, et tout ça, n'a pas de maman, 100 000 $. Ce sont des œuvres au Bakongo Bali. Balingi karaté, oh non, voyage, Bakinagi voyage dans Marbella, Basomilo pas en Suisse, Basomilo appartement en Belgique, régime à Lilo Isaac en Némoine. Soki Baké Marbella, oh Kabazaki en Belgique, Bazaki en Suisse, Bazaki na France, Basomi immeuble et tout ça. Et les Congolais gagnent quoi là-dedans? Diplomatie agissante. Diplomatie agissante, exacte. Diplomatie agissante, Tobosana Yamou. Parce que aujourd'hui, le Congo est humilié. Nous sommes humiliés à la face du monde. Nous sommes humiliés l'élan par ces gens que M. Tshisekedi nous a amenés au Abengi partenaire. Si nous étions sérieux, les Congolais, partout où ils sont en ce moment, ils devaient s'élever. Nous devions nous lever pour dire non au régime en économie. M. Tshisekedi, comment voulez-vous? Lors de la passation civilisée, nous n'avions aucun territoire national, parti à territoire de mission nationale, dans ma boucle rebelle. Les lots, 4 ans après, une grande partie, il y a beaucoup de mission dans l'Est, dans ma boucle rebelle, a signé l'accord à l'AIRC. Aïe, il y a Sud Soudanais, aïe, il y a Kenya, aïe, il y a Burundi, aïe, il y a Rwandais. Bon, les lots. Les médias internationaux, les négociations entre le gouvernement et les rebelles. Le gouvernement a boui. Mais curieusement, 4 jours après ou 5 jours après, Tomoni M23 a commis qu'on s'est retiré dans la zone de Okipaki.
mais tout malade 23 t à se retirer n'engeni à se retirer n'engeni bon à se retirer l'armée qui est censée prendre possession à Bissika au M23 se retirer et l'armée nationale de CD bah FARDC M23 s'est retiré mais curieusement en lieu et place FARDC récupéré Mabele dans le territoire où ils ont occupé M23 c'est l'armée ougandaise. Oui, tu as même sur base de quel accord? Bakoreyasi et l'obinini population azali a besoin royeba Bakoreyasi et l'obakinini parce que oh bah les qui c'est du mensonge. Le vrai accord existe population ngayeba sur base de quels accords? Oyo armée républicaine armée nabiso loyaliste il fait récupérer le territoire qui est occupé par les rebelles. Par contre, on récupère en compte, armée ougandaise en jouant en amont. Mais et pourtant, le ministre Patrick Mouyaya a Talisaki dans Mokil Mobimba que les alliés par rapport à Métien, il y a PO, mission EACAI, il y a Moïsenga qui faut baser. Mais c'est les journalistes. Toutes les actions que ce gouvernement doit mener, ils ne sont pas là éternellement. Il faut la chronométrer, il faut la timing. Et il y a ces gens qui ont besoin. Baloba qui tant bazoya que ba yeli maintient en paix. Excusez-moi, gouvernement lobby que ezali force spéciale. Ezali koya en appui na FARDC. C'est-à-dire que FARDC ne za oli e kozali bosu pona ko bundela mboka. Force wana EAC e kozala na sima FARDC na bi bundela mboka pa ye po ya accompagner FARDC. Mais curieusement les Congolais sont tenus, force wana ko na mboka na biso, ba biso so non. Mais pour accomplir ma mission politique et diplomatique, il faut rétablir Kimia. Mais comment M23 s'est retiré. Azo s'est retiré. Et FARDC, il faut avoir possession d'un territoire occupé. C'est l'armée ougandaise qui prend possession d'un territoire. Naïb Sakayon enchaîne que nous faisons une erreur. Bateau va se déstabiliser pour un bisou. Et ça va mettre national, la communauté internationale. Tout le monde va avoir le pouvoir, il est prêt à libérer. Mais les instruments directs, les pays directs que ces multinationales utilisent, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Au niveau de l'Arabie Saoudite, tu as la position géographique et stratégique, il y a Bounagana. Pour que M23, où ils allaient soutenir par Rwanda, et quand tu as Bounagana, il faut les capter par Ouganda. C'est-à-dire, quand tu as M23, na maïnou, ils sont boutiqués dans Rwanda, pour que tu as quand tu as l'Ouganda était d'accord. Mais maintenant, tu as la déclaration, il y a moi dans Museveni. Bien après, avec le banni. Bisso, M23, nous ferons tout pour protéger nos frères. Et ça crée confusion dans l'histoire congolaise. Tellement confusion. Donc, la vraie mission de l'armée ougandaise dans Mugana Bisso, c'est protéger les M23 qui vont se déguiser dans la force EAC. Parce que ces choses-là sont dites par le haut gradé armée ougandaise qui est le fils de Museveni qui dit que M23 nous sommes venus pour les sécuriser, nous ne pouvons pas les combattre. Donc autrement que mission il y a bah force ouanda ils allaient flou et coquille comme ma Kimia la stabilité dans Mugana Bisso té Patrick Mouya Zolobi que il faut des bah force ouanda occuper bah territoire ouanda pour le maintien, mais le maintien là il y a paye qu'on sait pas pour combien de temps. Mais Monisco ils arrivent dans mandat. Maintenant, on les a chronométrés, dès les a connus. Les autres, comment on renouvelle une année et tout ça, comment on renouvelle. Mais bango, ils vont faire le maintien en paix dans le territoire où on est occupé pour combien de jours, pour combien de mois, pour combien d'années. Mais maintenant, le M23 avait la quasi-totalité à contrôle de la frontière rwanda, c'est-à-dire douane, enseignement, bien sûr, sur le territoire rwanda, ils sont contrôlés par les rebelles. Et maintenant que le M23 est parti, entre guillemets, peut-être que la tissu est assez, mais la carte est assez. Et assez, l'armée ougandaise va y aller. Comment contrôler la partie à Bounagana? Qui contrôle la sécurité? Bah, on peut qui contrôle la sécurité? Douane.
mine. Et ça va doper ça. Na ma union se zali kuna. Ça se passe comment? Ce sont des questions importantissimes. Oyo, ils ont mérité qu'on soit biyano. Et puis biyano est solo solo et pas il y a bah responsable de bazoje kabalelo pour que bah Congo bah yeba. Qu'est-ce qui se passe réellement dans l'Est de la République? Qu'est-ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo? Là, c'est la question posée par mon amoka Jean-Serge Thibin, ou tout le monde qui est au fond. Mon amoka Touti Komona Samaluko Ndé comme gouvernement. Pour on va vous dire encore pour nous sa solution dans le Congolais. Est-ce que ce qui lobby hôtel à gouvernement, ils ont répondu à critères, il y a représentativité. Et puis est-ce qu'il y aura la solution par rapport à la crise multiforme où ils ont passé dans la République démocratique du Congo? Ndekonanga, j'étais très déçu à la sortie de ce gouvernement. Parce que c'est un gouvernement qui ne va pas répondre aux besoins. La population n'a pas besoin, qui sont multiples, la population congolaise. Deuxièmement, trouver certaines têtes dans le gouvernement, Oyo, inquiète les Congolais, inquiète les analystes politiques avertis. Troisièmement, ces gouvernements, ils ont rempli les critères de la constitution et c'est entre autres, critère il y a représentativité. Surtout, il y a un mot vraiment dans l'ingénieur. Pourquoi représentativité? Gouvernement congolais, ce qu'on juit, article 90 de la constitution de Bokanabiso, Baloubiboué. Le gouvernement est composé du premier ministre, de ministres, de vice-ministres, et le cas échéant, de vice-premiers ministres, de ministres d'État et de ministres délégués. Il est dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Nakota Ngasus, paragraphe Yasuka, il y a article 90, pour faute de temps. Mais la composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. On a un législateur a eu l'initiative de la gouvernement à Mokalabiso, il faut tenir compte de la représentativité nationale. C'est parce que ce que na kati ya Mokalabiso. Au Congo, que nous sommes un grand pays. C'est quoi la République démocratique du Congo? La République démocratique du Congo, c'est ce pays qui a 26 provinces, 33 villes, 145 territoires, 259 chefferies, 478 secteurs, 137 communes, 202 communes rurales, 137 communes urbaines, 5087 groupements, 2187 quartiers, 78 855 villages, 250 ethnies, 450 tribus. C'est l'ensemble de toutes ces choses. Il y a un monde sali République du Congo. Ah, mais ce bébé, l'année dernière, sur moi, dans le gouvernement, on peut s'arrêter. Non, c'est simple. Nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Où ils allaient la statue à province. Quand l'article 90 nous interpelle que il faut représentativité et à la nationale, représentativité nationale et à la carte gouvernement, c'est-à-dire nous devons trouver au moins moko oiseau, il y a province moko na carte ya gouvernement. Mais maintenant, ce que le gouvernement est salimé, au-delà de la paix, il y a un poids démographique, na géographique. Le gouvernement doit tenir compte. Il y a un peu de. Mais le long, nous avons un gouvernement déséquilibré. Un gouvernement qui ne remplit pas l'article 90.
Mais il y a des provinces. Notre province, c'est Maniema. Ezali na mototé. Province Koutou ya Bandoun. Province Koutou ya grande province ya Bandoun. Na yebité. Et Mamou Mazoua déjà Assemblée nationale. Non, mais Assemblée nationale. Mbosso incarne quoi na grand Bandoun? Mbosso, en tant qu'individu. Parti à Mbosso, il y a comme on a monté. CDL. Parti à Mbosso, il y a combien de députés? Mbosso est le seul député à parti naïe. Na Bandoun, parti à Mbosso est combien à peine implanté na Kenge? Il y a quelque chose qui na Massimanima, ils ont raté. Na Kounou, na main, ils ont raté. Na Kouango, à peine partout, on est combien implanté na Kenge? Alors, il y a le but que non, on peut faire une province à Bandoun, Assemblée nationale. Non, Mbosso n'incarne pas le leadership dans le cadre de Bandoun. Donc, c'est à peine que le parti n'est comme implanté dans Kenge. Il n'a pas le leadership dans le cadre de Bandoun. Ce sont des erreurs, il y a casting, Oyo, Union Sacrée, par le trichement, il y a des coachs qui disent, Azo Salaka, chaque fois. Aujourd'hui, Grand Katang. Grand Katang, il y a quatre grandes provinces. Mais il y a trois ou quatre ministères. Comment dit Samalou Kondé? Samalou Kondé, c'est un individu qui ne représente rien, n'est-ce pas, à Grand Katang. Oh. Parti à Samalou Kondé, des années. Partout où la coutume de Kinshasa, ils ont implanté. Dans Katang, la coutume, ils ont implanté. Ce qu'on parmi les grands partis à République du Congo, on retourne à partir à Samalou Kondé. Parti à Samalou Kondé, je crois, ils ont un député Moko. Ou ils ont un député national. Comment vous pouvez donner le poste de premier ministre à une personne comme Samalou Kondé? Ce sont des erreurs à casting. Et ces erreurs-là sont monumentales. Ils ont créé un déséquilibre dans le fonctionnement institutionnel, mais aussi dans le bonne marche à Moka. Alors, vous prenez une petite province nette à Sidikivwa, je n'ai rien contre eux. Province à Sidikivwa, aucune province à Grand Katanga. Et Kokani, par rapport à la superficie de la province à Sidikivwa. Mais bon, Bazou, le ministère est belé. Bazou, au-delà, je crois, 9 ministères. Bazou, il y a 20 PM combien? Je crois, Mibale, ou bien Moko. Il y a un ministre d'État. C'est dit à quoi? C'est pas. Au-delà, il y a 20 PM, 20 PM, Moko, dans le ministère d'État, Bazou, 9 ou 7. Bazou, il y a président et Sénat. Oui. Bah, tu le crois. Et Sidikivwa. Mais Sidikivwa, pourquoi il y a la province, mon gars, la grande Katangati? Ce sont des erreurs graves. Mais comment ça t'a fait ton monde? Aujourd'hui, c'est quoi l'espace Grand Kassai? Mais ça, je crois, dans 25 ou 30 quelque chose ministère. Espace où on a Yango Moko, les lois, on a 45% ou 55%. Il y a totalité dans le ministère. Espace Grand Bandoun, 0,00. Concentré de Moko, Didier Boudou. Espace Gabandoun, 0,00. Maniema, 0,000. Bande, Équateur. Équateur, il y a aussi un problème. Bazan a fait peur, Moko, Bazan, ministère d'État et tout ça. Ça pose un problème. Sérieux, Bakongo. 0,0 la pourcentage. Mais il représente quoi? Didier Boudimbou. AVC, Didier Boudimbou, la dernière fois, oh, à Kenambour, à Bakongo, c'était pendant quelle période? Didier Boudimbou. Tout le monde a AVC. La dernière fois que Boudimbou a été à Kenambour, à Mango, dans le village natal, là. C'est plus de 20 ans, 30 ans. Maintenant que Napota a eu un grand amour là-bas, Boudimbou représente quoi dans la Congo centrale? Rien. C'est que par rapport à défi ou bien mission au gouvernement Samalou Kondé de 10 ans, il y a une difficulté à atteindre parce que respecter non, était déjà le processus il y a des pas. Le processus a été biaisé dès le départ. Togoki causé la elo comme on a malongaté. Aujourd'hui, par exemple, le président Jean-Pierre Bemba.
nakata gouvernement. C'est une tête, hein? Une tête par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi politique, il y a République démocratique du Congo. Même a été vice-président de la République. Oui. Après. Candidat phare dans l'élection 2006. Il a été arrêté pour des faits commis. La Centrafrique et tout ça. La partie où son bourg en abisso. Bahé ko innocenté. Mais il a été condamné par pour une année pour la mambo et tali mambo ya ba témoin. Une année. La Cour pénale internationale. Alors, Azongiao. Bonjour, vous pouvez c'est 20 permis à Nini. Défense. Il y a défense. Moi, ça qui m'a fait, ce qui m'a fait très mal. Nekonangai, politique, photo ça la politique et ma valeur. Au-delà des postes, au-delà de l'argent, nous devons faire d'abord la politique avec beaucoup de moralité, mais aussi avec des valeurs. Parce que l'homme, au-delà de postes, au-delà de l'argent, l'homme c'est aussi sa dignité. L'homme c'est aussi l'honneur. Kimoboto. Comment vous qui avez été une personne qui a été VPM, qui a été vice-président de la République, aujourd'hui on le nomme VPM, il y en a qui ont besoin de souper là, poudre, ça lui fait. Et puis il paraît à ça lui fait un message, je m'en comprends. Cet homme-là qui a eu des ambitions présidentielles dans sa vie, après avoir reçu la vice-président de la République, les postes qu'il peut rêver, oh, il y a un conseil à la fête, par exemple le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat ou chef de l'État. Minimum. Mais bah tiens, 20 pèmes de défense, bah ça ici fait, bah sous CP là, bah filmé, il n'y a pas sous CP là, et le monde va tourner. Ça pose un problème de la crédibilité de la moralité. Troisièmement, vous pouvez se défense. Qui ne sait pas que Jean-Pierre Bemba, tout ce qu'il a fait comme rébellion, Jean-Pierre Bemba a été soutenu par l'Ouganda et le Rwanda. Qui ne le sait pas? Même dans le moment, on n'a pas. Jean-Pierre Bemba, si l'armée ougandaise et rwandaise se sont battues à Kisangani, c'est parce que Jean-Pierre Bemba avait fait appel à l'Ouganda. Parce que c'est Jean-Pierre Bemba qui avait fait appel à l'Ouganda, parce que l'Ouganda était venu défendre son prodige, leur produit qui était Jean-Pierre Bemba. La guerre, il y a 8 jours, 6 jours à Kisangani. La présence armée ougandaise sur le sol congolais était justifiée par leur soutien à Jean-Pierre Bemba. Tout le monde le sait. Mais au moins, peut-être Félix Tshisekedi a joué par rapport à Ebi Kebemba, Ebi Nengeje, il y a la rébellion, et ça les rappelle. Cet homme qui a été soutenu pendant toute sa rébellion par l'Ouganda, vous croyez que Jean-Pierre Bemba, en défense, pourra faire la guerre à l'Ouganda? Jean-Pierre Bemba est redevable vis-à-vis de Yoweri Kaguta Museveni. Il est redevable. Jean-Pierre Bemba a une dette morale vis-à-vis à Yoweri Kaguta Museveni. Il ne peut rien faire. Ce qui n'a pas été fait, il a raté des ministères de la Défense. Tous les élus ont posé des actes. Tobi Sakabino Awa, Tango a déclaré état de siège. Tobi Sakabino Awa, c'est une décision Oyo à la va-vite. Et comme ma solution, mon côté sur le terrain. Et le casting des hommes qui ont été nommés, c'est un mauvais casting. Banimela qui me sautait. Bazui, les anciens du MLC, ceux qui avaient fait la rébellion avec Jean-Pierre Bemba, Batini Bangoukouna. Ma gouverneur militaire. La suite aujourd'hui, vous la connaissez. 45e progression. Justement. L'état de siège est un fiasco. Parce que ces hommes-là étaient là-bas pendant la rébellion. Et croyaient que du fait qu'ils étaient là-bas, qu'ils ont commis des exactions autres qui sont décrites aujourd'hui par la communauté nationale et internationale, bah, quand c'est qu'ils ont une expérience de faire la guerre là-bas et vaincre l'ennemi. Aujourd'hui, ces hommes-là n'ont rien fait. 45e prorogation. Prorogation, aujourd'hui, l'état de siège, c'est un fiasco, ça n'a rien donné. Donc, ne vous attendez à rien par rapport à Jean-Pierre Bemba à la tête du ministère de la Défense. Alors, Vital Kamerhe est économie. Vital Kamerhe, c'est un homme qui a été. C'est lui qui rassure et puis il a banni déjà Moussa. Vital Kamerhe, c'est un homme intelligent qui a été président de l'Assemblée nationale, qui a été secrétaire général du PPRD,
Vital Kamerhe, les derniers postes qu'il a occupés, Chokotali le Mibou et les Kébélé, 15 ans ou 20 ans. Depuis ma poste au Kamerhe à Okipa, Kamerhe nourrissait des ambitions présidentielles. Les actions qui étaient posées par Kamerhe, c'était des actions qui devaient amener Kamerhe dans l'élection présidentielle. Kamerhe se voyait déjà dans la posture présidentielle. Mais erreur de casting, erreur de collaboration, a yé kosa la coalition na une pèse où ils allaient diriger par Félix Tshisekedi. Toutes ses ambitions pour la présidence de la République, les deux ont anéanti. Mais c'est qui 2018, bon, on va soutenir Tshisekedi et puis 2023, on peut... Mais pourquoi les ambitions de Vital Kamerhe ont été anéanties? Pourquoi Vital Kamerhe fait une coalition avec M. Tshisekedi, mais si Tshisekedi est élu, il doit être Premier ministre. Par rapport à la situation politique, ça ne permettait pas qu'il puisse devenir Premier ministre, on le nomme directeur de cabinet. Mais c'est une secrète élu de PES, connaissant les ambitions de Kamerhe, on crée un dossier qui va faire couler toutes les ambitions de Kamerhe. C'était créé, les procès s'en jouent. Ces procès a dilapidé plus de 500 millions de dollars. Kamerhe et toute une bande, ce sont des responsables qui ont été mis à la justice, à la disposition de la justice. Le nom de Kamerhe est sali. La notoriété qu'avait Kamerhe et ses bébés. Le poids politique qu'avait Kamerhe et Zali Soussouté. La valeur que la population avait vis-à-vis de Kamerhe et Zali Soussouté. Kamerhe est arrêté, j'étais en prison. Il est libéré. Kamerhe ne peut plus espérer nourrir ses ambitions présidentielles. Ça a été une stratégie pour le déstabiliser. Enfin, qui s'est fait petit, à comme n'a pas ni ma poste, il y a ministre. Mais chose grave, tant qu'il y a un ministre comme un VPM, donc Kamerhe accepte, il y a côté comme ambition présidentielle pour comme un VPM. Jean-Pierre Bemba. Donc aujourd'hui, ce sont des gens qui doivent oublier, qui doivent mettre de côté leurs ambitions présidentielles. C'est fini. Le fait qu'il y a encore dans le gouvernement, qui n'ont plus le poids politique qu'ils avaient, qui sont partis chercher l'argent, qui cherchent à se restaurer, à se refaire le poids politique, mais surtout une santé financière. À Boubia, concernant leurs ambitions présidentielles, c'est fini. Niveau la bango, standing la bango en terre politique, c'est Peter Kazadi, c'est Aimé Boji, c'est Yves Bounkoulou. Niveau la bango, il y a combien de monde? Non, je pour parler des PPRD. Ils ne parleront plus d'abord, même quand ils étaient en dehors du gouvernement. Leur poids politique ne les permet pas de parler du PPRD, moins encore de Joseph Kabila. Il y a un autre vice à Kabila, certains partis, ce sont des partis malades. Leur président, Net Ngaï, Naïm Sakayo avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de maîtrise. Moi, je suis secrétaire national au PPRD. Ceux qui n'ont le moins secrétaire national au PPRD, c'est d'être président d'un parti politique, ton secrétaire général d'un parti politique. Parce que ma parti politique, voilà, et ma parti politique malette, ça ne représente rien. Bâton, on a géré un département de la communication en tant que secrétaire national adjoint. Bazan la partie politique est béni. Donc il faut se donner une certaine valeur. Il y a Robin Alba qui dit que je ne ferai plus de débat avec n'importe qui. Parce que je suis quand même un secrétaire national d'un grand parti politique, un parti national implanté sur toute l'étendue du territoire national. Alors qu'il y a des gens avec qui nous débattons, parti des Akanama Sina, ils en ont ma tête. Siège national, ils en ont banalou, à part Rwana, parti naïen à Congo, c'est comme chose des alités.
Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer de tels présidents à la partie politique de Joseph Kabila. C'est ça la différence. Merci beaucoup, bonne matière. Tout le monde analyse sur présence. Il y a Vital Kamerhe et Nadia Pierre même dans le gouvernement. Ça m'a dit qu'on a bandi. Car on a dit que nous avons un stylo parce qu'avec mon amboka Jean-Serge Tubin, ils ont toujours matière pour nous noter. Manamoko, toki nena li mama na li kambo meka si avant to to kote na sije oyo mon amboka na olinga to landa video oyo Olivier vu quoi vous proposer biso ya André Mbata oyo est daté de 2016 hein, jusqu'à aujourd'hui comme ça to revenir pour na ko ko zomo to na to pe ko kote na deuxième partie émission. Vraiment c'est vraiment importuner toute une nation. Vous avez un gouvernement, dernièrement tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Donc c'est vraiment un esprit diabolique. Il y a trois angles. Dans un angle, il y a un triangle, il y a trois angles. Il a miné la CENI qui est totalement sous la botte de la majorité présidentielle. Non, vous avez la Cour constitutionnelle. Tous des corrompus. Dites-moi par où est-ce que vous pouvez passer. Parce que la Cour constitutionnelle qui prend les décisions en dernier ressort. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une transition qui essaie de clarifier cela. Souvent, on nous pose la question. Donc, c'est une transition qui sera gérée par la société civile. Ainsi que par le chef des partis membres de cette plateforme. Vous comprenez que c'est indépendamment de notre bonne volonté. J'ai mis au cœur du concret, rien que du concret. De l'homme et en charge de manière spécifique chaque territoire de la République. Les structures qui accompagnent cette vision. Nous avions, en son temps, fait une invitation aux responsables des partis politiques de l'Union sacrée, membres, ou en tout cas, ayant manifesté par la signature, soit. Et finalement, nous avions annoncé cette grande rencontre que nous devions avoir. Mesdames, Messieurs, nous tenons à solliciter votre indulgence pour le présidium de l'Union sacrée de la Nation. Je tiens à saluer chaleureusement. Depuis l'indépendance, aucun tentative de changement filmé et mis en exécution, non sur les travaux de développement à la stratégie. Le développement.
depuis l'indépendance, de manière spécifique, chaque territoire de la République démocratique du Congo s'acte sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Président. Vraiment, c'est vraiment importuné toute une nation. Vous avez un gouvernement. Dernièrement, tout le gouvernement s'est transformé en une plateforme politique. En droit constitutionnel, vous ne verrez jamais, je n'ai dans ma connaissance des constitutionnalistes, je ne connais pas un seul cas où un gouvernement d'une république se décide de se transformer en plateforme électorale avec comme président l'autorité morale. Mon nom est Katibel, je suis le professeur André Mbata, Ndenge a utaka kolobata ngu chatre ya FCC sinyamaka na ginga 4 pour na élection ya 2018 qui ninga uta koloba, mais on dirait bango mo peut va se retrouver na kati ya assiette yango parce que bango pe hier ba sinya ki chatre mona ba Jean-Pierre Bemba to moni la plupart ya bato ba sinya ka pe chatre ya ginga 4 na ya FCC to moni bango pe wana na kati. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à l'Union sacrée aujourd'hui? Moi je respecte beaucoup les professeurs, hein. Les enseignants. Ils ont enseigné en maternelle, l'école primaire, professeur d'université, nous avons un respect pour mon cas. Parce que Batouana, en réalité, tu es en Zambé, dans mon fils. Tu sors de chez vous, même en école, tu es un bébé, au bout de temps, c'est celui qui t'apprend à écrire, à lire. En fait, ce sont des professeurs qui sont comme un bateau. Au-delà de ça, il y a des gens qui ont appelé ça Nyonso. Il y a des gens qui ont fait ça. Pour que 1 plus 1 égale 2. Pour que Simba soit Big Boy. Pour que Simba soit Kaboy. Donc, on a respecté les professeurs, les enseignants. Vraiment, on a respecté les gens. Mais, oh, yo, tangi comme moi. J'ai d'autres fois que les professeurs. Oh. Oui. Pourquoi on a douté? Et l'obélinaï. Maya Salaka, il a qui sera tel à la professeur. En plus, pendant le temps que l'UDP était à l'opposition, ces fameux professeurs-là, toute sa vie, il ne faisait que critiquer Kabila. Il ne faisait que critiquer le PPRD. Les gens pensaient qu'une fois au pouvoir, une fois l'UDP au pouvoir, va pessier, va poser aux arômes qui ont permis d'être chef de l'État. Les gens pensaient qu'il fera mieux que le PPRD à remettre ma stratégie à Sika que le PPRD. Alors qu'en réalité, il ne faut qu'emboîter ce que Joseph Kabila avait fait. Et puis, moi, je suis en train de CENI. Aujourd'hui, nous avons une CENI tribalisée, régionalisée. Mais il y a fini la CENI, il y a Nanga, il y a fini la CENI, nous sommes là. Malou. Tout ça, les FCC. Alobi, c'est quoi? Dans quel pays vous avez vu tout d'un gouvernement? Il y a plateforme politique. Aujourd'hui, qu'est-ce que lui, en tant que professeur, a mis le quoi? Nous avons vu Jean-Pierre Bemba signer. Nous avons vu Vital Kamerhe signer. J'ai vu Mbosso signer. J'ai vu Bati signer. J'ai vu Samalukonde signer. Lui-même, le professeur. J'ai vu lui-même Mbata signer. J'ai vu tous les ministres qui sont au gouvernement. Adel Kaïna signer.
Est-ce que les gens pour nous rebâcher Sabino pour nous relaxer? Et le Roni va rebâcher Sabino. Il y a un peu dans le sac qui basa soudé opposition. Non, mais et le Roni va rebâcher Sabino. Et le quoi si Kabazo est en route. Au contraire, Bazo sera obispo tout ça, Bazo sera on a négé à ma bé. Tolina du Koban, on sait qu'il va y avoir une stratégie à Sika. Ceux qui va y avoir une loi à Sika, oh, biso tout ça là. Oh, les hommes, mais moi, qui est le niveau. Mais Bazo là, dans ma camo, biso tout ça là. En lui, place, mais Bazo, on a négé à ma lame, Bazo, ça, on a négé à ma bé. C'est-à-dire que quand Joseph Kabila est fort, nous sommes forts. Parce que, même ça, le soi-disant stratège, c'est nous qui faisions le PPRD, c'est nous qui faisions Kabila. Mais il y a pas Félix Tshisekedi, pourquoi ils doivent copier ce que Kabila avait fait et de la plus mauvaise manière? C'est qu'il n'y a plus de contenu, créativité, ingéniosité, vous allez sous-souter. Moi, je suis un peu comme ça, force, et sanganiwana, il existe déjà qui est en opposition à KO, et puis il a assuré réélection, il a fait que Antoine Tshisekedi la présidentielle 2023. Félix Tshisekedi, s'il s'entête, il y a aussi la candidat en 2023, il sera battu à plate couture. Il sera surpris. Même dans Kassai, et pas naïe, même dans Moupomba, il n'aura pas de voix. Ah, nous avons observé. D'abord, force est sangani, on a force ligne. Ma force, tout le monde est belé, tout le monde est bâti, parce que tu es bâti du côté est, au moins, tout le monde est caméré, tout le monde est bêba, tout le monde est, on dirait, ma province, nous on dirait sangani, la quartier. L'AFDC est un parti provincial. Oh, pas national. Non, il y a l'AFDC est un parti provincial. Un parti provincial, au Lélo, a comme qu'on s'est forcé à implanter. Et comme implanté partout. Mais ça dans le parti national. Et AFDC là à ma casse. En cas FC, et AFDC là à ma casse wapi na sit kiv. INC. En cas de la moue d'Ara ma casse wapi na sit kiv. MLC. MLC. Et je vois ma voix, Zaka ma casse wapi na équateur. IDPS. Nous avons plus d'informations. IDPS est à mon élection 2018. Au lieu qu'il y ait la province, il y a des personnes qui sont en député. Même dans le niveau de Kassai, il y a que Emmanuel Chadar, il y a un point belé par rapport à. Mais oui, parce que nous sommes implantés. Nous avons partout dans le Congo, territoire, 145 territoires sont au KI, au bout d'un drapeau à PPRD. Par contre, c'est que Awa Biwa PPRD, les amis. Dans 145 territoires, au Kokuta, bureau n'a drapeau à PPRD. Partout dans le Congo. Et pour ça, nous avons fier que nous membres de PPRD, nous avons fier que nous disputé Joseph Kabila. Alors, ma partie, ce sont des partis mallettes, des partis provinciales. Donc, ils ont bien dit ça. Mosso, car on a Kenge, il y a beaucoup de députés, il va voter avec la Kenge. Mosso va voir Kinke, il va voter. Adel Kaï n'a pas eu de député dans la partie. Tant que là, on va commencer. Jonathan Bialoussou. Alors, il y a eu de député. Va voter pour moi. Il y a eu de député. Mbobila, ACP. ACP. ACP, jusque-là. Bah, tout le monde se passe dans ACP, on va taper PPRD. Oh. Mais qu'est-ce que tu as observé? Gentil Mbobila, il y a un mandat à PPRD. Aza député Eli Ayoumi na liste à PPRD. Aza Eli sénateur Awa na liste à PPRD. Banda na cabinet na ena batu nyonso baza zigran zinga na ebala batu PPRD. Pour nous on va force à ACP. Tant que nous avons élection, baza nous attend 5 députés. Si on aurait la force à monter. Et mais à ça, il y a une démonstration de force par rapport à l'Union sacrée et puis c'est confiance dans ça de marcher. Non, tu es bien, les gars. Tu es bien. Après, ça, il y a un peu de bien. Tu es bien, tu es bloqué qui hôtel de ville Mobima, bloqué qui va déjeuner, qui va bloquer le service Union, qui va hôtel de ville, qui va bloquer le service de tourner dans le stade. Tu es bien. Tu es bien, tu es bien, tu es chef de quartier à Villa Kinshasa, Mobima, tu es bien, mobilisation, tu es dans le stade. Tu es bien. Est-ce que vous êtes au stade de Banque Sabiso? PPRD peut avoir plein combien de fois dans le stade de Marti? PPRD, combien de fois? Stade de Banque Sabiso, t'es. Donc, vous êtes au Banque Sabiso. Bisous, l'autre problème, il y a stade, il y a implantation.
que parti est à la partie nationale, parti est à la implanter. En regardant tout va signer Chartres, Mboka, est-ce qu'il y a vraiment l'avenir à bien pour les élections en 2023? Non. Avec... Avenir à Malambo dans l'élection 2023, exact. Mais c'est que nous avons un budget de 16 milliards de dollars. Nous manquons des avions de chasse, les lots. Nous manquons des hélicoptères. L'armée n'est pas dotée, la police n'est pas dotée. Société aviation, mon gros Joseph Kabila Tikaki, Congo est tombé en faillite, ma vieux Zaté. Denis Kadi Malobi, bon ma pauvre ami, pour m'appeler ça exalité. Mais bon, on y a son bazar, oui, même le temps va s'y signer, va jouer, va toujours élection. Lélo, si vous avez une élection, vous allez, et vous allez dans le lingue. Élection, vous allez la paix. Sur l'élection, vous allez, et vous allez l'élection, à Kabila Kamonga. L'élection d'un clan. Ah, bien le bon. Bambate, t'as là-bas l'image de circuler l'eau. N'a qui ça, ça va te poser ta moula. N'a pas qui. Bamalette Yasseni. Tomoni na Kassai. Oncle Mokwa Yewana. Azan a machine nandaku. Azan enregistré. Batou. Ba vidéo est Zali. Bazan enregistré moi na 5 ans, 6 ans. Azan inconscient. Mais tout ça est mis, ça fait toujours mon nom, les réseaux sociaux. Et des vidéos. Moutouana Zolo Banachilouba. Tout est possible. Aza Moutoua Kassai, il faut voter. Toujours mon nom. Vous pensez que ces élections-là, Ata, Bato Union Sakhe, Bassali Maïbazo Salana, Bangole Banamiki, Bangole Banani, Bassali Boy, Baboy, Sali Boy. Vous croyez qu'ils seront élus? Non. Le peuple souffre. Championnat national est Katani. Mbongo Ezalite, Stade Bakanga, Stade Bakanga, Moutoua recevra Bisson Moïse Katumbi, Stade Bakanga, les colons incompétences, sans qu'on ne balance rien, Bastien Kaboul, moi na Kaboul, a sali 17 ans à critiquer la ministre de l'Éducation pour les caca, Kaboul, moi na Kaboul, t'as pas sanité. Kaboul, moi na Kaboul, 17 ans. 17 ans. Il n'y a pas une défi. Pour nous, tu n'as pas face à Tomis, à Mouli, mon épée, Kimia. Vous n'avez pas une défi. 17 ans. Il y a une fois un défi à ma casse. Parce qu'à Sali, 17 ans. En tant que journaliste, à critiquer à Kaba, ministre de l'Éducation nationale. Même quelques jours, quand on tue avant nomination, il y a une mise en garde. Maintenant, il est au pouvoir. Nous l'attendons. Toujours dans le championnat des hommes. Toujours dans l'équipe, ma club congolais, aura subvention à Mango, l'État paie ça. Pour le déplacement. Les lots, les équipes voyagent sans subvention en l'État, parce qu'on met la Coupe d'Afrique. Alors, Mbongo va mettre la Bissot Tolo. Bidjo va commencer la Bissot. Et ça va. Et qui est la S, on a vu tout le monde. Non. Et donc, il y a la STT. Nous sommes gérés par des incompétents, des amateurs. Bah, ça, les lots montent. Bah, ça, les lots montent. Et puis, Bidjo est athée. C'est un budget utopique, irréaliste, et comme ça, les matés. Élection est athée. Mais Bissot est ici, Bango. Qu'il pleut ou qu'il neige, ils doivent organiser des élections en 2023. Au plus tard, le 30 décembre en 2023, nous devons avoir des élections. Des élections inclusives, libres, démocratiques et transparentes. Mais condition pour ça, vous pouvez savoir, on a beaucoup dit que les gens ne sont pas sous mon temps ou laïe, mon amboka. Parce que ce n'est pas de la CENI, 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 ce n'est pas de la Potozalana, élection apaisée, libre et démocratique, transparente. Gage, il faut en changer ses nids. Il n'y a qu'à dire. Tout le monde a gagné la machine à voter en 2018. Tout le monde a été. Ceux qui ont dit que la machine à voter, ils ont mal à l'âme. Il n'y a problème. Mais il faut que la plateforme où il y a opposition, la partie politique où il y a opposition, où ils alignent le peuple dans le il faut écouter la carte à Séni. Pour plus de contrôle, pour plus de travail, mais aussi pour la confiance mutuelle par rapport à ma pour. Ok, merci beaucoup. Gage et élection apaisée, démocratique et inclusive en 2023. D'abord, modifier le bureau à Séni Akadi. Et s'il n'y a pas les élections en 2023? Article 64. Constitution est présente déjà. Le président de la République reste en fonction. Jusqu'à l'installation. L'article 64.
Article 64. L'article, voilà. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Article 64. Pas de problème. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Ok, article 64. Le président de la République reste en fonction jusqu'à la. Mais oui, problème. Attends, Babi, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Problème, t'es. Mais toutes les institutions seront démissionnaires. Mais institutions ont sa caractère électif et on a démissionné. Parce qu'on a une transition, opposition, un gouvernement. Bah, non, il n'y a pas de transition. Non, il n'y a pas de transition. Peuple a décidé. Même sur la transition. Parce que la transition est un mot. Par rapport, il y a dialogue entre le régime en place dans l'opposition. Peuple a décidé parce que, sauf que dans l'article 64, au Tanya, personne ne peut gérer, ne peut s'accaparer du pouvoir ou un groupe d'individus, ne peut gérer en violation de la présente constitution. Or que régime aux autres sont déjà bandé en violation à Nini, il y a constitution. Maintenant, ce qui est élection des en décembre 2023, nous allons tirer les conséquences de leur incompétence, de leur amateurisme. Il y a d'autres organisations d'élection. Nous allons tirer les conséquences. Ah mais oui. Nous avons une belle organisation d'élection. Il faut ça en 2020. Et ça, pour tout le monde, nous avons une constitution. Il faut ça. Mais si vous manière une belle élection, vous avez un bon cas, vous avez un bon perdre mon bimba. Vous pensez qu'il y a un mot d'ordre, il y a un roulement et ça a beaucoup de roulette. Même la union sacrée, même la union sacrée, ça va respecter le monde des œuvres qui doit s'enrouler dans le thème. Il y a un bon escape, maman, tu as s'enroulé. Je suis un peu calé. Attends, la question. Est-ce que mon escape, maman, Denise, a s'enroulé? Eh ben, ça roule là na présent. Yo, mon ami, va foutre ça. Ça roule là. Yo, mon ami, c'est ça roule. Au monde, c'est ça roule là qu'il a qui sa carte. Tant que maintenant, bas séjour n'est pas. Nabi, y a chef de l'État au Monaco. Est-ce qu'il y a moment de dire, mon ami, à s'angola, il a qui sa carte. Donc, il va y avoir la dimanche. Vital Kamé, ou après si BPM, y a Nini, y a budget. Yo, mon ami, s'envole. Bas, on respecte le monde de Joseph Kabila. Bah, y a une élection Oyo, engolement Oyo. Des dégâts d'imagination organisés, et ça, en gros, même à bain. Fraude organisation, fraude massive, les années. Parce que respectez le monde des Joseph Kabila. Parce que les gens ont été en retard. Jean-Pierre Bé m'a s'envolé. Ah. N'importe qui n'est en retard. Comment y'a eu l'invité? Peut-être que c'est bon. Anthony Tshisekedi. Anthony Tshisekedi, y'a eu mon esprit à s'envolé. Bon, qui n'a pas siège avant vous. T'es Nabi, Anthony Tshisekedi, on est s'envolé. On est cas de lecteur. Hein? On est cas de lecteur. Ah. Parce que c'est que la mission de l'église qui s'envolé, c'est que nous allons le voter. Peter Kazadi, BPM intérieur, on est cas de lecteur. Hein? Fils Moukoko, gardez du temple, la personne est Moukoko Kazadi, on est cas de lecteur. Hein? Ah. Tous ces gens-là respectent le monde de Joseph Kabila. Ils ne se sont pas engolés. Ça devient sérieux. Hein? Ils ne se sont pas engolés. Soit ils vont s'engoler, ils vont s'engoler. Ils vont s'engoler. Moi, je vais s'engoler. Ils vont s'engoler. Ma machine à Seni, depuis Mokao et Zala, Tomoni, un individu dans ma machine à Seni, n'a pas fiché d'identification.
Et si la CENI n'arrive pas à contrôler. Si la CENI n'arrive pas à contrôler enrôlement dans l'IAA ou à. Accident. Et mon amboka, bon, pour na vote à la diaspora. Non, ce qui est d'abord, bakata. Les gens n'ont pas d'informations. Vote à la diaspora, enrôlement et diaspora, bakata. Et ça est battu. Bakata, babanaki, bakata. Et puis, au monde, on a 7 cartes d'électeurs. Journaliste, et nous avons Fabien. On a 7 cartes d'électeurs. Pour vous dire que la base des données à Seigneur Zali est sécurisée. Le processus n'est pas équitable, il n'est pas sécurisé. Na cassette au monde, un individu avec des machines, il y a Seigneur. Montre que c'est l'accident, ma koufi. Ma fiche à Seigneur, mon année, bimi n'en pas ça. Chauffeur, on a un chauffeur, il y a député Moko. Et va baigner la cop ou la n'est pas congolais tout la olo et oye bisa moto et la personne moussa la vérité à cause que dans un bel anakel basse faire soit d'un wapi na na tika pate à on a pas congo na na qui moins à ou non hôpital moral à tenir au dieu et pas patron n'a nous aucun des azu dossier et à votre machine à voter à mi mangopi na kassai pas accident salémi moli mounet à koufi t'as la ma conséquence. Est-ce que Joseph Kabila n'avait pas-t-il les raisons comme ça, qui s'enrôlait? Emmanuel Ramazan Shadary n'avait pas-t-il les raisons? Il y a comme ça, population, oh, bah, millions de Congolais, bah, si ma paix président Joseph Kabila pour s'enrôlait. Avant tout ce qui s'en a. Bah, il y a un cas d'électeur. Les lobes, bah, il y a un cas d'électeur. Son éminence cardinal Mbou, à Zolé là. Il y a où tu as réclamé les mêmes jours? À son regretté. Martin Fayoul m'a dit, à son regretté. Hein? Moïse Katoum, il a regretté, il n'y a pas d'électeur. Hein? Malgré le contrôle, Salomon Escadel, il y a un tas vraiment ceux qui ont carte en haut. Mais les lots, ils ont basé, il faut qu'on ait ces anéanti. Parce que le processus était déjà biaisé bien avant. Banane la fabrication de la machine, il y a un check-up, il y a un contrôle, il y a un contrôle, la machine, il y a un la machine, il y a une erreur qu'on devait corriger. Ça n'a jamais été corrigé. Il y a une fraude massive et tout ça gonflé même la liste. Il y a un site d'enrôlement. Il y a une belle année dans la carte. Mon amour, avant tout, si ma point est anniversaire, il y a un peu perdu et puis tout touché. Christian Bossembe, pour tout ce qui est papa Simon Kimbangu, Napolingana, posé mon tournant par rapport à ma propos dit. Il y a mon amour Ferdinand Kamere ou Azalipe, mon coup est cadre à peu perdu pour le bac Kabila Kouzala, candidat à l'élection en 2023. Ma propos, je suis tout à fait tout à fait tout à fait parce que la constitution est un lobby, je suis encore renouvelable une seule fois. Après, si il y a eu Fandi, maintenant mon amour Joseph Kabila, ou a déjà des mandats pour que nous soyons au pouvoir. Par quel moyen? Par quel moyen? Joseph Kabila, c'est notre candidat naturel. C'est notre président national. Il est le candidat naturel du PPRD. Ce qui m'a se changé, bureau, il y a qu'à dire changer. Joseph Kabila en tête, Emmanuel Ramazan Shadary, na alaniwana, bisoto la dit, na simana, ba jimiki tenge, ba tunyons. Donc il nous aura qu'à délecter. Il sera notre candidat, c'est lui notre candidat naturel. Par quelle magie, si ça propose des questions, parce magie que égalité. Là, on me dit, comme magie, que magie, que magie, mandat encore renouvelable. Constituer le bique. Mandat encore renouvelable. C'est-à-dire, notre constitution n'a pas tout ça là. Et puis ici, trois mandats successifs d'un président. C'est-à-dire, Nambo Labisso, un président ne peut pas faire trois mandats et la nana. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat. C'est ça le sens de cet article, il y a constitution. Un mandat renouvelable une seule fois. Ça veut dire, vous ne pouvez pas aller au-delà de trois mandats successivement. C'est ça l'explication, il y a simple article. Voilà. Après avoir accompli ces deux mandats, c'est-à-dire cycle à deux mandats et six lits, Joseph Kabila paiement. Mmh. Tu sais qu'il dit c'est la thérapie. Voilà. Joseph Kabila sali deux mandats à respecter Nini, constitution. Cycle on a demandé sali Nini et six lits et Kangami. Parenthèse on a sali Nini et Kangami.
et quand on a mis Souki pour à respecter la constitution, a permis Félix Tshisekedi dans une ligne à y aller. Dans 2023 ou 2028, Félix Joseph Kabila peut postuler. S'il tient à postuler, ceux qui partent dans l'élobi, Joseph Kabila, il y a des candidats qui sont postulés, il doit postuler parce qu'aucun article de la Constitution ne peut essayer de causer la candidat. Oh, je vois ça, juriste, constitutionnaliste, il y a un article précis sur Joseph Kabila, c'est la candidat en 2023 ou 2028. Pour casquette, il y a sénateur à vie et qui est. Ouais. Sénateur à vie, c'est parce que casquette, il y a sénateur, parce qu'on sait aujourd'hui que Joseph Kabila reste sénateur à vie. Maintenant, casquette, il y a sénateur à vie et qui doit répondre que Joseph Kabila. Sénateur à vie, sénateur à vie. Au moins, une constitution, ils allaient la constitution, ils allaient dans l'article Bélé, ils allaient dans la constitution française. Esprit nango nani nango ça l'esprit à la constitution française. On a pris des choses là-bas, on a modifié certaines choses. Tout le monde va virgule, tout va ici. Mais esprit nango on a bloqué sous les années de la constitution française. Sénateur avait un titre honorifique. En France, ceux qui au si si mandat na au comme au sein du mandat mon comme président de la République, au commis d'office fait membre il y a autre cour na bango. Bisous les cours constitutionnels, le terme m'échappe. Bakoumaka, président Maronions, Akouma membre Yakouman. Président français Nino Mona, Banana Sarkozy et tout ça, Hollande, Magna au CG. Ils sont d'office. D'office. Dire mon pina Joseph Kabila, d'office a commis sénateur. Titre honorifique. Joseph Kabila n'est pas content au Kenya Sénat. Pendant mandat 5 ans, après il attend une seule fois dans le Sénat, mon collègue était battu le coup, il a le téléphone. Oh, sénateur a vu, il était pour la ligne. Aux l'absence, il y a un mot sur le monde qui bat en fraude. Oh non, tu le monde lion. Non, exact. Il vient quand il veut. Et ça, titre honorifique. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais oui, qui. Bah, pourquoi on va passer par Zali ou Tchiba ou confusion? Non, il y a confusion. Il y a un peu d'éclairage, lumière. Lumière, il y a un solo. Et puis, il y a simple. Il y a un langage simple. Constitution, il y a trois mandats et l'andani. Dans le français, il y a mandat, trois mandats successifs. Premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, constitution, il y a un. On a battu Barakino, Boutaya, constitution, si on mesure, il y a Kabila, on a raison. Non, totalement, on mesure, il y a Kabila. C'est parce que, et puis si Kabila, et puis si Makasi qui a pris des mandats, après, il y a les sous-sous, Félix Tshisekedi, Nenge a postulé en 2023. A postulé parce qu'il n'a pas un bilan. Ce qui vraiment, en a mes consciences, il ne peut pas postuler. Bon, maintenant, s'il est poussé par Jean-Pierre Bemba, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et tout ça, il y a un peu de temps, Augustin Kabouya, il y a postulé. Il y a un peu de temps en 2023. Comment est-ce que c'est vite? Attends, un mandat moko. Mais oui, attends, un mandat moko. C'est un mandat vite. Ok. Bon, est-ce que 2028, Félix Joseph a repostulé, il ne peut pas oser. Parce que il a reçu à ta zone. Mais il est temps. Il est temps. Et ça vouloir un peu plaider. On a souci naïe. En tant que Félix Tshisekedi, on a des mandats. Est-ce que le peuple a le. Quel demande le peuple? Le peuple a aussi un des peurs à Tshisekedi. Pour un bilan est négatif. Budget à 16 milliards, ils ont satisfait les besoins de la population. Pour un anime, société transco, les lois sont par terre. Les gens sont impayés. Pour un anime, budget à 16 milliards, les fonctionnaires de l'État sont impayés. Pour un anime, l'université est en grève. Les professeurs d'université ne sont pas payés. Budget 16 milliards. Pour Nanini, les députés provinciaux,
Bah ça deux ans impayé. Bah négro nous sommes sur la couille non quoi on va couper en amont. Peso circulé au Tengeli tout le monde en Boka où t'es posé la bourgmestre commune à Kitambo et puis Azaki qui ministre provincial il y a environnement à ville à Kinshasa il est pas aussi pour déposer bon mot de dossier dans la justice par rapport il y a 24 mois à Eri et à salaire naï après avoir posé mission au Bobi Labandé pour foutre à Bamonté. Ok bon. Tengelito, Negulanga, la PC, Mbote, honorable Naïk, à côté de l'INC. Est-ce que bien? À combien d'INC? À combien d'INC? À côté de l'INC. À côté de l'INC, Naïk, tu comptes dans le monde, à côté de la Bible, ministre, dans le gouvernement. À côté de l'INC. Bon, c'est quoi? Le gouverneur de la ville. Moi, je trouve ça quand même anormal. Et illogique. Naïk, illogique, pour Nanine. En réalité, quand vous êtes ministre, vous n'êtes pas payé. Au salaire 6 mois. Vous ne fonctionnez pas. Vous n'avez né à l'Albaï, vous n'avez pas des frais de fonctionnement et tout ça. Mais vous dirigez comment? Au monité que normalement Tengeli, il faut pas cangrer. Oh. Mais oui, on doit l'arrêter. Il doit réclamer salaire, on doit l'arrêter. Il a fait 12 mois sur 24 mois. Il n'a pas de frais de fonctionnement. Il n'a pas ce qu'il a ni nous et tout ça. Frais d'installation et tout ça. Il a fonctionné comment? Il a une étiquette. Non, il a fonctionné comment? Il a fonctionné comment? Carmen a reçu un mot de la mission. La mission a reçu un mot de donc, il faut pas arrêter de. Non, il faut quand même pas s'amuser. Il doit nous expliquer. Tu n'as jamais été payé. On a un frais de fonctionnement. Frais d'installation, on a la montée. Alors, on travaille une ligne. Oh, mais il y a pas si, hein? Ah, mais oui! Il y a un bâtiment qui a foutu à côté. Pourquoi tu travailles? Il y a moi démissionné. Ah non, 24 mois après. Pendant tout ce temps-là, tu vivais comment? Espérer que. Non, espérer comment? Tu es un père de famille, tu es ministre. 24 mois, on va foutre à côté. Tu vivais comment? Tu travaillais comment? Carabine, on se retient chaque jour dans le monde, on se retient. On se retient. On est à bon tout pour l'ingoté, on est à bon droit. Tu es ministre, on a le droit, on a le bâtiment, on a le droit, on a la sécurité, tu dois être payé pour travailler. Et s'il faut dire un mot par rapport à ce qui s'est passé à niveau à Paris pour la question Bossembe, où vous avez été agressé par Yaba Kopana. On a dit qu'il y a une diaspora. Il y a une bandeli. Mais vitesse na yo il y a émission et même émission na vive ba débat na pèsi tous les congolais mbote ba congolais ba zoko benga ngai tous les congolais qui se soucient na vie na santé Jimmy Kiting na pèsi mino mbote ba congolais ya diaspora nyonso moyo tanga ba komo na bino zalité na pèsi mino mbote mbote parce que ba prière na bino ba appel na bino et tout ça Jimmy est sorti. Il va parler. À Kolobaye Moko. Dans la place, il a été. Mais il a pensé que nous avons été. Parce que Azali a un soin. Ce qui est ici, Azali a un repos il y a quelques semaines. À cause de l'émission. À relater Bino Moko. À relater Bino Yemoko. Ce qu'il a vécu à l'année. Ce qu'il a vécu au parquet. Et ce qu'il a vécu pendant 7 mois, ce qui 6 mois dans Makala. Mais moi, il a dit bonsoir et puis Bino, merci. Merci. Les millions de Congolais étaient en union de prière avec Jimmy Kiting. Bah combattant à Poto, bah Congolais, bah compatriotes à Poto, na Kinshasa, partout na Congo, bah zombie ngai. Na mokili mobile, on retourne à Jimmy Kiting. Merci infiniment. Par rapport à ce qui est arrivé à notre frère Christian Bossembe, moi na moka. Le PPRD est un parti qui prône les valeurs républicaines. Valeurs de paix, de progrès, de justice, d'équité. Nous prenons la non-violence dans le PPRD. De la même manière, nous allons contre Babeta Kokonanga Kengo Wadoun. À l'époque, président du Sénat. De la même manière, Babeta Mamachala Mwana. De la même manière, Babeta. Malgré vagabondage politique, la mère Mende, Bachéou Kitundu, de la même manière que nous avons condamné ces actes-là, comme nous nous condamnons, nous soutenons jamais la violence, nous condamnons la violence, nous condamnons ces actes de barbarie qui
ont été posées contre notre frère Tshisambo Zébé. J'ai toujours dit que malgré nos divergences politiques, malgré nos divergences d'opinion, nous devons nous aimer mutuellement, nous devons nous respecter mutuellement, parce qu'au-delà de nos divergences, nous sommes un peuple, nous sommes une nation, nous sommes la République démocratique du Congo. Maintenant, et là, quand ça n'a pas ces alignements, au moins, il y a une position, il y a une changée. Tant que je suis papa qui est un homme, tu n'as pas non. Tu es tellement un homme. Je suis un Christian, je suis un homme. Mais les alignements, tout le temps, ils sont dans une opposition. Je suis un Christian, je suis un homme, je suis un homme. Tant que je suis un homme, un vieux papa, il y a un âge. Bango bazo sepela lumbe lumbe mwete mwete bazo sepela omoni awa ye moko lumbe lumbe na mwete mwete zuye akani kisa ko sema lu ah nasa de kolabino alone basala boki basala oui ah kisa ko seme en plein lumbe lumbe na mwete mwete akani nasa de kolabino moi akogo donc vous êtes sérieux de ce que vous êtes en train de dire après d'avoir ça un message à Yitoko Sali. Mais au moins, tu tiens à rappeler. Je tiens à rappeler parce que l'histoire est têtue. Ceux qui soutenaient que Babeta Kengo Wadono, ceux qui soutenaient que Babeta Bashé ou Kitoun, Babeta va la mère Mende. Les gens vont dire non, tout ça va être nos violences et tout ça. Nous condamnons tout ce qui est arrivé à Nini. Non, Christian Bosemi. Christian Bosemi est un officiel. Il y a l'État congolais. Comme Kengo Wadono à l'époque. Comme Mende, comme Bashé ou Kitoun. Comment à l'époque il y a ces gens qui tout nous bon soutenant bon encourager lumbe mwete mwete ingeta mais comme si on a tout à qui ça va se et comme là non nous sommes un peuple ya kimia tolingi nos violences biso au moins position habituée sans été au tiga la position donc on a d'accord ma camouane à tangu ya mende na tangu ya king wadono de la même manière nous condamnons ces actes aujourd'hui s'il y a des problèmes nous devons dialoguer problème c'est quoi il y a des pays ces années ne va qui s'en est il n'y a pas de combattants, de commentants. Mouton, il y a une divergence d'idées à Zali et Némina. Il n'y a pas de minimiser, il n'y a pas de finir, il n'y a pas de rabaisser. Il y a des combattants, des commentants. Les combattants, c'est pas la même chose. Il y a des combattants, des commentants, il y a des combattants. À l'époque, il y a des soutenants du mouvement des combattants. Bango ne va pas financer le mouvement de combattants. Bango ne va pas ça. Nga na la photo, na moni mandi kolanga ba odombo na ba combattants mususu à l'époque. Balati ba tenue militaire, pemi na nani Etienne Tshisekedi. Bango ne va pas encourager ka ba financer ka mouvement de combattants. Mais problème les alelo les alinini. Tous ces combattants bazo ko rêver changement ce qui dépend ça comme nanini na pouvoir. Et puis bazo ko espérer comme c'est eux qui avaient organiser, structurer ces mouvements, bah, quand c'est que ceux qui dépensent comme le pouvoir, ils dépensent à créer pont et discussion. Ils dépensent à créer passerer la discussion entre gouvernement et Bango. Pour n'a pas eu de revendication dans Bango. Parce que ma réunion se fait à l'Oba. Il y a seulement un malin, on a quand même fait ça. Au-delà d'insultes, mais leur message, souci, n'a pas eu de guerre, ils ont fondé. Donc, il y a aussi des bonnes choses que le gouvernement il faut avoir un message à il y a des combattants. Mais il dépense sa salaire à monter. Alors que Bisso Oyo, bateau il dépense à combattant qui à travers le combattant, malgré que le combattant va finir Joseph Kabila, va finir le dirigeant, va bêta le dirigeant, et tant Joseph Kabila, Bisso Tokriaka va passer la discussion. Rappelez-vous, il y a Reskazan. Oui. Joseph Kabila avait accepté en tant que chef de l'État. Il s'était surpassé. Il s'est surpassé à qui? Pour la Robin Sanani, combattant. C'est votre pays, c'est notre pays. Ma revendication, la Bino Moussou, c'est Ali fondé. Pour que les gens soient là, une délégation va combattre pour que les en tête avec Reskazan. Bah, il change les manaki. Mais tant que il dépense ailleurs, la discussion est de la souté. Ce sont des discussions qui devaient continuer pour permettre au gouvernement, il y a une idée, il y a un combattant,
mais aussi les combattants peuvent s'organiser pour que, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans l'action du gouvernement. Dans la zone vérité, les combattants sont ébellés, ils sont ébellés, ils sont sécurité, ils sont ébellés, ils sont ébellés, ils sont ébellés, ils sont ébellés, ils sont ils sont déçus. Allez, on va parler de l'oumbe-loumbe. Mais l'oumbe-loumbe, nous nous condamnons ça. Mais c'est à l'oumbe-loumbe. Christian Bossemagang, il a dit qu'on a dit. Ah, fibre patriotique. Et gagne ce Christian Bossemé. Tant que vous avez l'oumbe-loumbe, a gagné. Il a dit qu'on a dit. Au moment où combattant un peu, il a dit ah, confinez ma cassette, confinez mon. Tiga y a paiement. L'amour, tellement. Au moment où l'intention de la maman, c'est qu'il y a un peu. Parce que voyez que au-delà de tout, Christian Bossemandini ne connaît pas. Il y a pas Christian Bossemandini que Nazan ne connaît pas non. Batunomo, qui veut qu'il se pose là-ni. Denis laisse tout le monde à qui n'a rien à porter au tel monsieur. Est-ce que va bien t'aguer? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fui. Il faut dialoguer. Et ça n'a pas tout mon côté et s'il a sans dialogue. Et ça n'a guère mon côté s'il a sans dialogue. Il faut créer des mécanismes de discussion. Il faut créer des passerelles de discussion entre le gouvernement congolais et les combattants. Aujourd'hui, nous devons dire à ceux qui dirigent de continuer. Pas battre le mouvement combattant, on va financer. Mais pour le reste, bon rétablissement, Christian Bossemé, bon retour au pays. Je pense que maintenant que vous êtes cadre, vous êtes au sommet de l'État, vous avez compris le sens de l'État. Je pense que même les journalistes et les dialoguistes vont changer. Je pense que vont changer dès que la banque reçoit l'analyse politique. Dialogue aussi là. Moi, je ne vais pas dire que ça va se faire. Je vais faire un dialogue pour un sentiment aussi là. Mais moi, je suis quelqu'un qui soutient, qui ne soutient jamais la violence. Et qui n'encourage pas la violence, parce que la violence engendre la violence, violence est mémaraka la violence, violence est la suite, mourir à malamonté. Violence, parce que nous pensons que, attends, subir violence, mais tant qu'on réagir à non-violence, écoutez, bateau va poser que va acter la violence. Nous sommes à non-violence, c'est ma casse, au léka. Violence. Et ça, la notion toujours et pas Martin Luther King. Et à un moment donné, Joseph Kabila l'imbissa. Bato nous sommes finga papa naï, finga maman naï. Oh, nous sommes banqui à Burundi, à Rwanda, à l'imbissa bango. Mais Nathan Joseph Kabila va finga e. Soit qui a mis ça qui maman naï, soit qui a mis ça qui papa naï. Allo, bape à Salabou. Soit qui peut à Zong Isaka. N'est-ce que l'autre toujours mon amour. Et l'ingé soukawa. L'élo awa. J'ai la lingette, document mon ébimia. Soit les alloukouta, soit qui a sol babi aza. J'ai la lingette qui est. Daniel Safou Tabet est la révélation. Honorable Daniel Safou Tabet. Au moment où il est passé, à Saliba déclaration. Mais est-ce que j'ai la lingette que papa n'a pas sénégalais, tout qui maman n'aille. Papa n'aille. Au moment où il est passé. Dans mon vidéo, il dit maman, j'ai la lingette. Pour Alouba. Ça fait très mal. Mosiko, imagine, mets-toi à la place de Joseph Kabila. Oyo, batou, boni, ba finga, tata n'aille. Ma fille aïe. Au tout cas, comment on a membre de la famille Joseph Kabila nous. Hippolyte Kalambe, ça l'a rappelé. Mais bâton à l'éloignement sur la toubile. Bah, c'est un abolimbis. Bah, mon sou sou koutou, bah, ça l'a en Rwanda. Bah, le roi n'a pas tout le lot, bah, ça l'a Joseph Kabila. Bah, ça, on a qui chassa, bah, ça n'a qui s'engagé. Joseph Kabila n'a pas tout le lot. C'est ça un homme d'État. Et ça doit enseigner tous ces journalistes et dialoguistes. Merci beaucoup, Mme Boka, Togo Mnabsona Souka. L'élopé, mon collègue, 6 avril 2023, document officiel. Et bien, il faut que nous comme ça, mon collègue, la journée fériée est chômée à mémoire à Fumu Kimbangu, chef de l'État pour Mugati. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que le chef de l'État a joué, le Kadisi Amalamo, ou bien c'est la manière qu'il y a flatterie pour le canapé, parti humaniste? Moi je suis un nationaliste,
Je suis un panafricain. Je lis religieusement l'histoire. Il y a Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, c'est un modèle pour Nabissou, même la partie Nabissou. Un modèle d'engagement. Un modèle de dévouement. Un modèle d'abnégation. Si vous avez un siège, il y a PPRD. Il y a une photo de. Au moment où il y a Simon Kimbangu, Kipanvita, Patrice Emery Lumumba, Mouzé le roi d'Israël Kabila, Joseph Kabila. Parce que ces gens-là, ce sont des héros. Ce sont des gens qui nous ont montré les chemins que nous sommes. Chemin Yanine, il y a nationalisme, il y a patriotisme. Chemin Yanine, il y a Kolingamboka. Chemin Yanine, il y a résister contre la dictature, contre le pouvoir colonial. C'est un symbole. Et puis, il avait ses côtés aussi, il y a religion. Côté mystique, il y a religion. Un prophète qui a fait des miracles. Aujourd'hui, l'église qui m'a dit, César répandu dans mon kimono. Processus, il y a les lots. C'est pour la première fois que je suis d'accord avec Félix Antoine Tshisekedi. Maintenant, quand tu es dans le gouvernement. Oh. Acte à Kito, il y a Sali Kézara. Mais tu as même ça, yo. Ce que j'ai dit est sérieux. Kosili sa processus, oh yo. Joseph Kabila a mandat. Oh. Donc, processus où il y a les six. Joseph Kabila a mandat. Oui. Pambate. Tant que Joseph Kabila a suivi Bokunzi, Joseph Kabila a été en Kamba. Il est parti en Kamba plusieurs fois. En tant que nationaliste, un homme qui est passionné par l'histoire du Congo, par les Congo, par l'histoire, il y a Simon Kimbangu, parce qu'ils allaient là, il y a le leader Nabisso, il y a Patrice Emery Lumumba. Kimbangu a coupé dans la prison. Kimbangu a été condamné. Tinde a coupé dans la condamnation. A koufa na condamnation à Kangama. Donc, si on a koufa na pendant plusieurs années, mon limo a Kimbangu est na kimiate parce qu'il est un homme condamné. Joseph Kabila a lobé. Comment un héros congolais, un panafricaniste, un homme qui a contribué à l'indépendance en Bougainville, a koufa qui na condamnation? Après plusieurs années, a continué à faire la condamnation. C'est comme ça que le président de la République, à l'époque, je me rappelle, le gouvernement, il y a professeur Luzolo Bambilesa, qu'on va organiser un procès pour la condamnation à Nani et Simon Kimbangu. Et bien, on a la condamnation à Simon Kimbangu. Il est devenu un homme libre. C'est comme ça que le processus, il y a qu'à valoriser Simon Kimbangu et Bandaki. Et ce processus devait chiter. Il y a qu'à consacrer jour moko pour la lutte naïe. Et ça la mémoire. Et ça la quand même, n'est pas parti, c'est mérite le moment d'être mon Dieu. Et qu'est-ce qui a empêché à Joseph Kabila Kabange tout au long de 18 ans pour que à promulguer par ordonnance pour qu'il vous sa journée? Non, mais on a commencé ce processus-là. Tout ça là qui est en haut. Tant que cela vient, il fallait préparer les choses et tout ça. On avait tout fait. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est venu. Il a concrétisé ce qui restait à faire. Donc, Félix Tshisekedi a concrétisé le processus qui a été amorcé par Joseph Kabila. Moi, je suis très content en tant que Congolais, nationaliste et panafricain. Et ma PC en gros, journée à lutte, à Simon Kimbangu, il y a. Comment le terme là, Nasuka m'échappe. Est-ce que c'est conscience juste, africaine. Est-ce que c'est juste pour les Kimbanguistes ou bien c'est pour tout Congolais? Non, mais c'est pour tous les Congolais. Simon Kimbangu a énormément contribué l'indépendance en Bougainville.
c'est parmi les gens qui ont travaillé par abnégation et courage. Au-delà, il y a Makamu, il y a Ecclesia, il y a religion. C'est un modèle, beaucoup de gens se sont inspirés à Makamu. Donc, il faut bien dissocier Simon Kimango, prophète, et Simon Kimango, congolais, qui a milité pour l'indépendance du Congo et pour le Makamu Ebele. Il avait deux casquettes. Il est congolais, prophète, mais un prophète qui a donné aussi sa vie pour l'indépendance, pour le bonheur. Il y a peuple congolais, mais aussi africain. Pambate, Zalbaka, Moto, Mwindo, Kuma, Mundele. Oui, ça ne concerne pas les Congolais. Moto, Mwindo, Zana, Kongote. Zana, Afrique, Mobimba. Et ces choses-là, lentement et sûrement, se réalisent et concrétisent aujourd'hui. Malgré que les lois, les Belges ne veulent pas nous demander pardon par rapport à des excuses publiques, par rapport à tout ce qu'ils ont posé comme acte dans Bouganabissou. Mais, moi, en tant que nationaliste, je suis content. Je pense qu'il faut aussi remercier Joseph Kabila. Un visionnaire qui avait les soucis. Il y a que l'ongola, c'est moi qui m'a dit dans Boloko. Il y a que l'ongola. Mais ne pas basinga bakanga kiye na boloko condamné cette peine là la condamnation pesait encore sur la mémoire de Simon Kimbangu et ça n'honorait pas l'état congolais et les congolais que nous sommes. Il y a un moment Joseph Kabila lui a dit il faut que l'on l'honore d'abord et puis nous allons continuer le processus pour nous honorer et puis qu'honorer Matebele. Joseph Kabila a honoré les premiers présidents Bukadabiso. Joseph Kasavubu. La tongele mozole kuna na mboka na ye. Lelo na lana il faut na top Congo mozole wana entretien na mozo salé maté limité. Et lui il a construit mais ceux qui viennent après doivent s'occuper de ça. C'est notre premier président. Joseph Kabila a honoré Joseph Kasavubu monument na Kimpwanza. Mais lui la moni entretien exalté. Et si on est fallu à la limoure, il y a bien, il y a propre. Les autorités qui devaient s'occuper de ça, bah, s'occuperont en Angoté. Et ça n'est pas si normal. Ceux qui les choses, les bonnes choses ont été faites, et que continuité et salité, ça va poser un problème. Nous ne sommes pas un État. Un État qui ne pense pas à ses aïeux, à ceux qui ont fait l'histoire de ces pays, pour que nous soyons appelés Congolais aujourd'hui, ceux qui t'ont canissé Bangoté, ceux qui t'ont honoré Bangoté, c'est-à-dire nous n'avons pas une mémoire collective. Et qu'on a la quitté comme unité pour notre génération, ceux qui t'ont canissé Baye, Bawa pour notre bisoté, bisopé au Lelo, toujours ça là. Baye, Bawa, après bisopé, Bawa, canissé bisoté. Une nation s'est construite comme ça. Merci beaucoup, moi, la Congo. Merci la bienvenue aux amis qui branchent ce côté pour nous rendre visite dans ma mission télévision de Miroir du Monde. La bande, n'importe qui a besoin qui va papier la bastille la bidon dingue na nous c'est une demi parce qu'avec comment on a beaucoup Jean Serge Tibin ils ont gardé matière la bande vous êtes matière sur le plan gouvernement Samalou Kondé DOO et où vous avez promulgué la milité vous êtes éclaircissement na au Italie vous ont dit à Joseph Kabila Kabange vous êtes éclaircissement sur le processus électoral et tout maramnion sur d'autres choses sur la bande vous êtes bien on a bino par rapport il y a mis tout nos monnaies comme tout na par rapport il y a message à faire na caméra na banzi mona mboka yaki na likundi mobeko ya République démocratique du Congo to bengi constitution na li français oyo ye moka tangeli biso na article alimboli yango pe lolenge elobami na banzi na ba élection ko ya soki peuple de tout peuple congolais a décidé que Joseph Kabila est un candidat na banzi moto ko sa débatté moto moto ko débatté parce que oyoki déjà interprétation na yango kasi ngai pe na tomeli bino kaka week-end de l'amour, mon amour Kasuki, au lingo de Bamoua, le Bamoko, n'a pas pour qu'on nous soit dans le monde, mon bimba, pour que nous nous retenions. N'a pas si pour qu'on nous soit en beauté, n'a pas si pour qu'on nous soit en beauté, maman Bibi Kapi en beauté, n'a pas si pour qu'on mani, n'yon soto y kampiko, tout l'ingambo canabiso, tout à la vigilant. Est-ce en beau canabiso est commis dans l'instabilité, mon co, yamakasi. Les lots, bah, Ougandais, bah, comme ils occupaient, bah, territoire M23 Otika.
ma territoire on va occuper pour combien de temps tomi tout na ba question sécurité à territoire on a les lots et ça ma ndenge nini ba mine ba minerai ba frontière douane ma union sur les alliés dans le secteur wana nani a zan contrôle dans le lot et comment ça se passe et l'eau a mis balé faut tomi tout na accord au président de la mission qui doit signer il y a EAC et bon mini nasé na ma tout vivre les lots. Peuple congolais, nous sommes à quelques mois des élections. Mais maïtozo vivre les lots. Naseni moko tribalisé, régionalisé. Maïtozo vivre les lots qui bazon enrôlé banamiké. Maïtozo vivre les lots qui batou bazar ma machine à seni nandak. Maïtozo vivre les lots qui machine à seni les lots autant dans la Kinshasa et ma valise. Batou bazar ma nandak, batou bazar ma nandak ou na Kasai. Ça pose un problème pour un processus. Il y avait élection. Démocratique, apaisé, inclusif en 2023. Nous voulons des élections pour mettre fin à l'amateurisme, à l'incompétence de l'UDPS, des élections pour mettre fin à la tuerie, à l'occupation. Il y a M23, na Ouganda, na partie est en Bourgogne. Et surtout, nous voulons mettre fin parce que, avec un budget de 16 milliards, Félix Antoine Tshisekedi, son gouvernement, l'Union sacrée est incapable de résoudre le problème où il y a une nécessité et prioritaire dans la vie congolais. Merci beaucoup, Mme Boka. Merci à Olivier Vigou qui était derrière la caméra. Merci à toute l'équipe de ma mission sur le plan administratif, technique et rédactionnel. Kasinga Inabino, Boré, le Zolo, Mwana Congo, Tokutani Kaka, Miko les Alikoya. Ma Mission TV, le miroir du monde.